Ne faites rien. Comment on va faire ça du coup? C'est depuis Sanctuary, je crois que je même pas fait faire péter la pime à la prime. La pime. La prime à Sanctuary, je crois que ça marche pas non plus. Dick. Après j'ai peut-être une idée. Vous savez ce qui manque pour que ce soit plus sympa? Tout. Calme-toi. Ah si, c'est bon. Incroyable. Sanctuary qui fait tout. Nickel. Parfait. Alléluia. Ah oui, attends. On va se calmer. Ni vu ni connu. Non, allô, je vais aller sur la carte. J'ai un truc à vous donner, quand vous aurez un moment. Vous avez l'air en forme. J'attendais que vous puissiez... Donne-moi les sous. Non mais je crois que ma change combo c'est canon, c'est très particulier en fait. C'est très particulier. Je crois que c'est la seule ville où c'est vraiment casse-couille pour retirer la prime. C'est des gros relous. Bon. On finit cette quête histoire qu'on fasse un peu de pirate, mais bon, là je vous cache pas qu'en une heure là. Héritage là. Aïe 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 aïe. Désolé Mumba. Bah sache que vous voulez qu'on avance dans l'histoire principale. Mumba voulait qu'on avance dans la piraterie. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait 2 heures de Gojin, voilà, merci. Merci DV. Putain, j'en ai ras le cul. On peut dire que vous avez réussi. J'ai eu quelques signalements, mais aucune alerte majeure. Oh mec, si tu savais. Si tu savais. Mais sur Compris, vous avez un sacré problème de sécurité. Ils ont aucun problème, non? Oui, voilà, je n'en attendais pas moins de lui. Et maintenant, voyons ce que vous me ramenez. Je vais prendre sa place. Dalton. Je vais prendre la place d'Imogène. Ouh, t'es venu le mettre, what the fuck? Mais quelqu'un consultait les fichiers de là ou à distance. Je suis allé là pendant que j'étais tout seul. Sacrément épatant que Nyx ait réussi à remonter tout ça. On tient notre coupable. Merde. Allez. Imogène Salzo, spécialiste des opérations seniors. Une des seules personnes que j'imaginais capable d'une telle manœuvre. Quelqu'un doit payer un sacré paquet pour qu'elle se retourne contre Eugene. Possible. Ou alors elle cherche à nuire à un membre de l'entreprise. Mais avant de prendre une décision radicale, je dois l'interroger moi-même. Allez la chercher dans son bureau et amenez-la à moi. Je dois m'entretenir avec elle avant qu'elle ait la moindre possibilité d'agir. Ouh là là là. Ouais, est-ce qu'elle va me soudoyer? Et si elle s'enfuit? S'enfuir reviendrait à admettre sa culpabilité. Et vous n'aurez alors d'autre choix que de l'éliminer. Reçu. Je préférerais la maîtriser et la faire arrêter. Ah. Mais Imogène ne le permettrait jamais. Elle connaît le sort réservé à ceux qui trahissent l'entreprise et qui se font prendre. Elle ne fera rien si je suis dans les parages, je veux dire. Je n'en serais pas si sûr à votre place. Comment ça, les maîtres kung-fu ? Le problème avec les gens de la direction, c'est qu'on a du mal à savoir quand ils disent la vérité. Om nom nom l'XP, om nom nom les crédits, om nom 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 nom. Aïe aïe aïe. Bon. Et écoutez, je suis sûr que vous avez envie de voir la suite, mais. J'avais dit les pirates, bordel. Aïe 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 aïe. Ou soit on continue, c'est comme vous voulez, Master Shikobo Mumba. C'est vous qui décidez. Soit l'héritage attendra mon retour de vacances. Mais là, j'avoue, on est à deux doigts. On est à deux doigts là. De la coincer là. Aïe 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 aïe. Bordel de merde.
Comme tu veux. Oh, Master Chocobo, c'est pas la réponse que j'attendais, Master Chocobo. C'est pas la réponse que j'attendais. Bomba qui s'est endormi. Oula. Profite dans tous les cas. Mumba qui arrache quitte le live tellement il s'emmerdait. Idem. Comment ça, Mumba? Les pirates, Mumba. Je pensais que t'étais pour l'Empire. Oups, oulala, idem, oupos, oulala. Oulala, Mumba qui est énervé contre ces machines. Bon, écoutez, y'a pas de soucis, on va l'embarquer, voilà. Moi, bon, désolé, hein, la vidéo de YouTube. Enfin, quoi que pour vous, non, ça change rien, vu que le titre de la vidéo, je mettrai un truc à Yojin et... Et pas comme le titre du live où j'ai émis celui de la quête des pirates. J'ai menti sur le titre du live, j'ai menti. What the fuck? Ah oui, ah d'accord, on est là. D'accord. On va l'embarquer, moi je veux savoir là, je veux savoir ce qui se passe là. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous voulez m'arrêter? Bonne chance pour vos futures missions. Un monk sus. Je parie que vous cherchez Imogène. Oh comme oui. Vous l'aurez constaté, elle n'est pas là. Ah. Ce qui ne m'arrange pas, car j'ai plusieurs documents à lui faire signer. Elle s'arrange toujours pour esquiver la paperasse. Tiens, tiens, tiens. Quand avez-vous vu Imogène pour la dernière fois? Elle n'est pas revenue au bureau depuis la fermeture pour maintenance. Hmm. Je crois qu'elle en profite encore pour tirer au flanc. Elle a senti le plan cul. Je sais très bien qu'elle n'est pas en rendez-vous à l'extérieur ni en déplacement professionnel. Je ne la blâme pas, c'est une vraie perte de temps. Je veux que ma mission soit un peu secrète, c'est la première. Oh putain. Putain, je ne la blâme pas, c'est une vraie perte de temps. Une perte de temps de quoi? Oui, c'est qu'à tirer au flanc, c'est ça? Oh putain. Le jeu. Dites-moi où aller, bronze. Je vois vraiment pas en quoi ça vous regarde. Mais c'est vrai que je suis du genre à garder un œil sur mes collègues. Oui, c'est vrai, oui, c'est que oui, si papy. Je suis pas là pour les potins, hein, dites-moi. Vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit. Oh, intrigant tout ça. D'accord. Je serai bientôt ton futur chef, donc fais gaffe. Mais je vais y réfléchir toute la journée. Imogène a été vue pour la dernière fois au Frankie Market, qui, comme chacun sait ici, est une ouverture pour le clan Seoka. On s'échange le message en droite là, j'ai compris là. Vous aurez besoin de l'autorisation d'un cadre. Dalton approuverait à coup sûr. Bah ça tombe bien. Laissez-moi deviner, Benjamin Bayou est impliqué. J'oubliais que vous connaissez bien Néon et le complexe réseau qu'a tissé Bayou. Si vous voulez être efficace, vous pourriez esquiver Dalton et vous adresser directement à Bayou. Vous vous épargneriez un intermédiaire, c'est tout. Bonne chance pour vos recherches. Oh Bayou, j'ai pas envie de lui parler perso. Et si vous mettez la main sur Imogène, dites-lui bien que c'est moi qui vous ai dit où la trouver. Ah bah optionnel, ouais. Non mais franchement, on va y aller dans le tas, hein. Bayou, À quel moment je parle à Bayou, en fait? À quel moment? À quel moment je parle avec ce sac à foutre? En plus, il est à l'Astral Lounge, je crois, oui, bah... Mister Bayou. Il va le dire, bah vas-y, ouais, non, non. Non, je sais même pas ça, c'est que je veux même pas lui adresser la parole. Mais c'est un Chocobo. Je veux pas lui adresser la parole. Voilà, on... de toute façon, on va y aller avec une arme discrète. Enfin, genre celle-là, voilà, et on... là, on va s'expliquer. Le clan bidule, voici où là? Il se trouve où ces cons là? Oula! Oh les yeux! Attends. Là-bas. Suivez le point bleu. Putain, c'est moi le jeu galère là. Oulala. Ah, mais il y a un petit con, mais oui, chez Franky. Ah, ils sont chez Franky, vous cachez ces petits filous là? Bonjour. Vous m'ennuyez. Et alors? Je m'en moque, j'en ai qui j'ai envie d'ennuyer. Et moi j'ai pas à vous écouter.
Non mais c'est le cousin de Breaker, Mumba. Il pourrait être vous ciser avec les gens. C'est une de mes règles et elle m'a bien servi. De plus, vous avez pas envie de me parler. Putain, il s'est reconverti. Le fait est que je suis pas un homme bon. Vous feriez mieux de garder. Il est passé chef des pirates à Clodoman. Vous n'êtes pas un homme bien? Non, pas du tout. Parce que je suis tel cadeau. Je me souviens de vous, vous serviez de tas de muscles au clan Seokug. Effectivement, mais c'était avant la guerre. Donc oui, j'ai tué des gens. Certains l'avaient même mérité. Pas tous, mais certains. Bonjour. Et souvent, par conséquent, des inconnus m'abordent, réclament vengeance. Mais je suis toujours là. Oh, le steak! Des vegans en sueur. Comment êtes-vous devenu soldat? J'étais jeune. Stupide, vraiment. Je pensais pouvoir gagner la guerre à moi tout seul. Alors j'ai rejoint la milice de Liberastra. Sacré morceau, hein. J'ai fini par tuer plus de gens en une semaine que pendant toutes mes années ici. Et quand on voit trop de saloperies, ça abîme. Alors, je bois. Je bois. S'arrêter là. Ouais, ferme-la. Attends, je vais recharger là si. Si ça débug là, le message en haut à droite là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, j'ai vu une astuce intéressante. C'est que si on fait un coup critique sur un vaisseau dans l'espace, si on lui fait un coup critique, il y a une chance que ça bute tout l'équipage en fait. C'est pour ça qu'une fois, je suis rentré dans un vaisseau et tout le monde était mort. C'est que vu comme ça, je lui ai mis un coup critique dans son cul. Je peux aller là ou pas? Oula. Ah non. Nick. Qui a la clé? Voilà. J'espère que tu fais partie des clients qui payent. Attends. Qu'est-ce que ça sera? Ah oui, bien, tu vends, ouais. À bientôt. Bon, ça sent la connerie, cette histoire. Vous le savez. Vous savez bien que ça sent la connerie. Bah ouais, mais ouais. Non, mais franchement... Vu que je suis camouflé et tout, il y a 100% de chance, quoi. Donnez-moi le 100%. Oh, le vol à la tire, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas ça chez des Vladettes, hein. Oula. Oula. Hop. On peut pas faire comme Partitio dans Octopass, c'est genre, vas-y, j'achète ton truc. Bref. Ni vu ni connu, évidemment. Ah ouais, salut hein. Bon oui d'accord, je vois le délire. J'ai ça, tu veux venir ou pas? Viens, j'ai ça. Voilà. Ah oui d'accord, mais l'ordinateur ne sert à rien en fait, lol. D'accord, mais c'est pour ouvrir cette porte, ok. On fait quoi là? On tue tout le monde là? Comment ça se passe? Ah. Faites quelques tirs de suppression. Ouais. Ouf. Éradication. J'ai tué une entreprise ici. Je suis prêt à tuer un gang. Je suis place après. C'était vous ce bruit, capitaine? Vas-y, ramène-toi là. Non mais t'es con quoi. Vous avez entendu quelque chose? Je vais vous montrer un vrai combat. Tu as ouf. Impunément. J'y vais là lui. Ouf. Oh la plante. Oh la plante en iridium quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Là ce qui va se passer à Rojin, là je vais tuer des gens là. Là je vais tuer des gens. Là c'est plus discutable. Là
Là, c'est même pas c'est plus discutable, c'est plus négociable. Qu'est-ce que je fais ici, là? D'accord. C'est plus négociable. Chiette. Au revoir. Oula. Ah ouais, c'est plutôt bien planqué, hein. Oh. Ah mais t'es en train de me dire qu'on peut accéder de là? Bah ça, franchement, fallait le savoir, hein. Ah ouais, fallait le savoir, ça. D'accord. Oh, c'est marrant. C'est marrant. Sinon, comment on fait pour voir les autres guignols là? Il va par là, tout simplement. J'en ai ras le bol. Chacun pour sa peau. Qu'est-ce que... Ouf. Oh, le mec, il a un microgun, what the fuck. Oh. Il y a quelqu'un là. Cette erreur va coûter très cher. J'ai besoin de renfort, vite. Longue vie au roi. Longue vie à la flotte écarlate. Oh non, Mumba, non, 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 non. Non, non, non. Oh non, Mumba, non, 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 non. Attends, non, ça rentre pas là. Ça, ça rentre. Non, espèce de con. Ok. Ça, c'est presque pas mal. Il y a même YOLO. Je crois que c'est bon, hein. Om nom 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 nom. Ah! Non, mais c'est quoi ces conneries? What the fuck, c'est juste... Ah, oh! Om nom 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 nom. Om nom nom nem. Hein? Oh, le bordel chez eux, hein, j'ai ça. Cible en vue. Je pensais qu'on s'amuserait un peu ce soir. Grenade. Bim bim. Bon, c'est pas tout, mon Mamasoshko, mais moi je suis là surtout pour voler. Ils ont pas de peluche, c'est con. La mission est un échec. Quel est du puits de maintenance? Du puits de maintenance? On est légèrement apporté la pression des armes Combatech. Là, j'ai un peu de... Comment on fait pour voir les. Pour voir les... la marque des armes, il faut au moins zoomer comme un connard là sur l'arme, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, Combatech qu'on voit ici. Mais c'est chiant. Et d'accord, très bien. Bon, je prends. Hein. Non. Mais c'est pas comme dans Borderlands, là, ils peuvent pas mettre le nom des marques. Un petit Jacobs, là. Et c'est impossible. Ce verrou n'est pas possible. Je vous le dis. Je suis con, quoi. Non, mais oui, mais... Débilos de DV, débilos, débilos, débilos. Om nom nom. Qu'est-ce que... C'est pas notre territoire, espèce de tocard. Tocard. Mudada. Allô, Imogène. C'est quoi ça? Quel est ce jeu? Tu vas comprendre pourquoi les gens ne...
règne. Ah, carrément. Waouh, mais t'es niveau combien toi? Niveau 50 le machin. Le Kaïd. Il est où? Ferme-la toi. Viens là toi. T'es mort. Oh le Kaïd. Oh toi je t'ai vu toi. Grenade. Grenade. Putain mais vise mieux espèce de con. Voilà. Oh plein dans la gueule. Oh là 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 là. D'accord, faut que j'aille là, ok. Attendez, attendez, il reste des... J'allais dire des innocents, bon. Oh non, c'est quoi cet effet dégueulasse là? L'argent. Non, non. Oula, Orion fusil laser légendaire. C'est quoi? On va le changer, on va le prendre. À la place du Big Bang. Histoire de changer un peu là. Où est-ce qu'il est l'Orion? 5,25 en plus ça coûte. C'est plus léger. J'ai fait le con là je crois. Oui. DV a fait le con, oui. Nom. Oh là 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 là. Non mais putain, mais quel connard. Mais qui est le con qui... Oh, exécuteur des Siokug. 12 000. Non. Ça je garde ça. C'est une pièce de collection ça. Non mais marteau et tout ça MDR. Oh, oui. Ouvert la porte. Ça c'est fait un raccourci. Ok, c'est bien ça. Attendez, on n'a pas fini. Qui Bon, rien. Oui, tu ouvres. J'tiens à l'œil, Mumba, j'tiens à l'œil. J'tiens à l'œil. Notepad. Elle est pas mal cette arme. Trop bien! Mais trop bien cette nanarme! En plus, il y a tellement de balles dans le chargeur! Ouf! C'est la fête ici! Vous avez rien du coup là? Nom. Oh. Oula. Mes yeux. Backshot. Vous allez vous faire mal au dos à transporter tout ça. T'inquiète.
doute qu'un coffre-fort. Et... Dovis, ouais. Il y aura une paire de chaussettes dedans là, vas-y. Tout ça pour une paire de chaussettes. Pourquoi j'arrive pas à le mettre? What the fuck? Ça c'est du novice ça? Nom. Le Razorback légendaire, ouais bon, de la thune. Oh la 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 la. C'est quoi ce bordel? Ok. J'ai 7000 munitions avec ce truc, il va être couillon. Et il va être couillon. Non, y'a plus personne là. Plus de témoins. Target locked. Attendez une seconde. Laissez-moi au moins une chance de m'expliquer. Attention Imogène, attention. Attention Imogène. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça Imogène? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me doutais bien que c'est vous qu'ils enverraient sur ma piste. Quelqu'un a l'air sacrément coupable à se cacher ici. Attends, je veux dire ça, oui. Les fichiers obtenus par Nyx ne me désignaient pas déjà comme coupable, peut-être? C'est un coup monté par Oularu. Oui, je suis agent double, mais sur ses ordres... Aïe, 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 elle veut faire tomber la boîte avec elle. Je n'avais rien à y gagner. Elle veut faire tomber l'entreprise. Je suis pas assez haut placé pour avoir accès au projet Domination. Je serais incapable de le faire fuiter. Du moins, intentionnellement. Je ne serais pas lui avoir gagné, si vous avez des preuves, je les ferai passer. Bah oui, carrément. Ça m'a l'air d'un gros tas de conneries, ça, Imogène. C'est un merde d'être. Ça m'a l'air d'être un coup de fils de pute que t'es en train de faire. Vous me croyez vraiment? Non pas que je doute de mes talents de persuasion, mais je pensais devoir argumenter plus que ça. Tous est corrompu. Chill, la représentation même de l'entreprise corrompue. La rue est parfaitement à sa place. Oh, je crache sur l'entreprise. Oh, je pensais que j'étais un bon élément pour toi. Geneviève et Alexis ne seraient pas contentes d'entendre ça. Oh oui, ils seraient pas contents. Je suppose qu'à force de vivre à Néon, on ne se laisse plus berner par les illusions. Cette tablette contient les preuves de mon innocence. Il faut juste la porter à Dalton. Ah, n'oubliez pas que vous m'êtes redevable, ouais. Oh, je l'oublierai pas. Et j'ai comme l'impression que vous non plus. Si je prends la place de la roue, c'est encore mieux. En attendant de voir comment agissent Dalton et Masako. Et... Mmh. Merci. Je sais que vous n'entendez pas souvent ce mot. Et là, longue vie au roi. Je me doutais bien que c'est vous qu'ils enverraient sur ma piste. Ah oui d'accord, non mais ok. À confronter Oularu dans les bureaux de la direction. Ah oui oui oui. Non mais je m'en fous, non mais je... Je veux pas quitter le dialogue. C'est un coup mon. Mais... En plus, je suis pas... Mais quel casse-couille. Vous croyez vraiment? Geneviève et Alexis? Mais je suppose... Cette tablette compte... T'as la discussion au scénarium quoi. Je vais rester caché et... Ouais, dégage. Oh non non non, ça j'ai vu ça. Nom. Non merde. C'est nul. Pourquoi c'est le level up n'empêche hein. Après c'est... Oh. Nom. Toujours plus de conneries, toujours plus. Bon bah... On va aller voir la patronne, hein. Évidemment, évidemment. Attends, non. Où est-ce qu'il est l'autre con, là? Il est où? Hein, il est mort en bas? Oh, il est pas drôle. Je vais passer par là.
Well, well, well. Lisez 20 magazines de compétences. Ouais. J'ai un succès. Ah oui, c'est vrai, il faut passer par là. Bon bah tous les anciens potes sont morts. Désolé. Hein. J'ai fait le ménage. Mais où est-ce qu'elle est l'autre étant? Qu'on vous dise dans les bureaux de la direction. Mais c'est ça, faut que j'avoue, j'en là-bas. D'accord. Bon, oh, on va faire ça. Hein. Débladé, t'as rien à foutre. Hein. Oui. Regardez qui revoilà. Well. Dalton va péter un plomb quand il apprendra que vous avez eu affaire au clan Seoka sans le consulter. Non. Je ne perds pas mon temps avec une pseudo-permission. Je suis efficace quand même passer l'intermédiaire. Oh. Vous jouez les intermédiaires? Je paierai cher pour voir la tête de Dalton quand il vous entendra dire. Mais va lui dire si tu veux, va lui dire. Vous n'avez même pas eu la présence d'esprit d'en parler à Bayou. Mais Bayou, ça sac à foutre. J'allais pas perdre mon temps à parler à Bayou, oui. Passer quelques minutes à discuter avec quelqu'un peut vous éviter des heures à en payer les conséquences. Alors dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Ton cul, ça ne vous regarde pas. À vous poser la question à Dalton devant mon rapport féant. Ah, oh, j'étais sûre que vous alliez dire ça. Amusez-vous bien avec Dalton. Ça finira par me revenir tôt ou tard. Oui, ferme-la, stagiaire là. Dégage! Ok. Laissez pas tous ces pouvoirs vous monter à la tête. Hein. Oh les mains! Vous êtes en état d'arrestation! J'ai ça, mais t'as loupé l'un de. Voilà, oh les mains, je disais, dans son tête. Bon. Y'a pas de tenue de persuasion là, je pense. En quoi est-ce que je peux vous aider? Vous êtes en état d'arrestation. Je sais que c'est vous la toupe, je viens conclure un marché. Un marché, c'est-à-dire. Un marché. Moi, je vais prendre sa place. C'est quoi le marché, putain? Non, j'avais pas, vous êtes la taupe, hein, Nick. Hein. Bon, ça c'est une conversation qui doit se tenir à huis clos. C'est le cas. Juste un moment. Putain, elle va ramener la sécurité. Je vais pas bouger. Elle va prendre un fusil à pompe. Non. J'ai ça au secours. Fermeture de la porte. Ouais, voilà. Verrouillage des serrures. Ferme la fenêtre aussi. Voilà. C'est une plaisanterie, j'espère. Je croyais que Dalton menait une enquête sérieuse. Et d'où vous vient cette idée saugrenue? Oh! Oh merde! Non mais persuasion, c'est mort. J'ai pas la drogue avec moi. Mumba, non, pas le test de persuasion. Non mais faut aller cash, hein, je pense. Imogène, la femme que vous tentez de piéger, hein. YOLO. Ça se tente, tu veux tenter, Master Mumba? Ah, le deuxième, hein. Bon, on joue à ce petit jeu, admettez que c'est vous la top. Et là, faut faire 12, tu sais, un score de ouf. On joue à un jeu? Je n'étais pas au courant.
Oh putain de merde, faut faire 8. Sans faire... Mumba, non. J'ai pas de velocity, j'ai rien. J'ai rien, Mumba. Mumba. Ah, Mumba qui veut jouer safe. Moi j'avoue, Master Chocobo qui dit le plus 6, ça c'est sexy, hein. Moi j'ai YOLO, hein. Moi j'ai YOLO, Mumba, hein. Oh merde. J'avoue, le plus 6 sans le Velocity, sans rien du tout, on va se faire niquer. Mumba, de toute façon, c'est toi qui décides, c'est Mumba. Est-ce que Mumba tente toujours le plus 3 ou est-ce qu'il tente le plus 6? Je ne te jugerai pas, Mumba. Pour le bien de Ryujin. Oh merde. Ah, mais ta gueule, ce message là. Plus 6 alors, oh Mumba. Si vous avez, je peux convaincre Dalton de se montrer indulgent. Dalton, ça se voit que vous ne le connaissez absolument pas. Oh, il y a un plus 3 en persuasion là. Oh merde, Mumba. Allons, je vais mourir d'envie de partager ce plan si bien monté avec quelqu'un. C'est une vraie torture de ne pas pouvoir partager des plans aussi bien ficelés. Oh putain, mais là, voilà, faut boire le verre, là, Mumba, là, on n'a pas le choix. À moins le plus 5, non, non, non. Le plus 5, ça passera jamais. Ça passera jamais. J'ai pas de bonus, j'ai rien. J'ai comme un connard. Putain, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû picoler avant, là. En plus, j'ai pas de velocity sur moi, là. Oh, Mumba. Mumba qui... Mumba qui se tâte. Le plus 3 en premier. Je perds patience, amis, vous êtes la taupe. Que nous puissions passer autre chose. Pas de chance pour vous. Je pourrais y passer la journée. Bien joué, Mumba. Oh là, Mumba. Oh, Mumba qui va réussir. Oh là, si le plus 3 il passe pas, je me la coupe. Je me la coupe devant tout le monde. Si vous me dites la vérité, nous trompons peut-être un terrain d'entente. Vous marquez un point. Putain, bien, eh bien, bien joué, Mumba, bien joué. À rentrer. Bon, d'accord. Puisque nous sommes en... Attends, Mumba, ça c'est pour toi, ça. Mumba, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Le truc casse-couille. Désolé. Oui, pardon. Je vais tout vous dire. J'ai fait fuiter le projet domination à Infinity LTD, mais je ne suis pas une taupe. Mettez-y l'étiquette de votre choix, vous avez tout l'air d'une traîtresse à mes yeux. La seule traîtresse dans cette histoire. Non mais c'est bon, c'est quoi ces conneries? Je ne suis pas une taupe, je suis une opportuniste, et personne ne peut. C'est quoi, c'est une tournante que moi. Masako, en revanche, n'est plus à la hauteur. Ryujin a besoin d'un dirigeant fort pour affronter l'avenir, d'un PDG capable de prendre des décisions difficiles. Aïe, 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 l'entreprise qui se l'a pété et tout, et en fait, tous ces sacs à foutre. Qu'entendez-vous par décision difficile? Ouais. Si vous en voulez à Masako pour pas piéger Imogen, Je n'ai jamais eu l'intention d'impliquer Imogen là-dedans. Mais quand vous avez débarqué avec des informations sur le projet Domination, j'ai su qu'Infinity avait foiré. J'ai dû agir vite. Imogen est la seule que et les autres pouvaient croire capable de réussir un On vient Oularu, Imogen, on vient Masako, on vient ces trois-là. Je viens l'unique et seul PDG, puis vous fermez tous vos gueules. Et je transforme Ryujin en Ryujin écarlate. Et là, oh là là. En plus, Ryujin, c'est couleur rouge. Avec la flotte écarlate, c'est parfait, voilà. Ça sent l'entreprise de pirates. Oh là 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 là. Les entretiens, c'est pour devenir pirate. Qu'entendez-vous par décision difficile, ouais. Avis, si quelqu'un menaçait votre famille, vous vous contenteriez d'attendre son offensive? Bon, moi je les attends, non, à la porte, avec un flingue. Vous l'élimineriez avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Oui, ça marche aussi. Dans certains cas, avant même qu'il n'ait pris conscience de son avantage. Ah, je sais pas quoi lui répondre, hein. Masako ne serait pas PDG si elle ne sait pas prendre des décisions difficiles. Si Masako ne comprend pas que vous êtes la traîtresse, c'est qu'elle perd la main.
Oui, je vais dire le premier, ouais. De son temps, les décisions difficiles se limitaient aux arnaques et aux crimes en col blanc. Aujourd'hui, pour réussir, il faut n'avoir aucun scrupule. Maintenant que vous savez, voyons si vous êtes capable de prendre des décisions difficiles. Tu vas aller en tôle, oui. Avec votre aide, je peux évincer Masako et vous couvrir de crédit. Alors, de quel côté êtes-vous? Celui de Masako? Non mais de crédit, on parle de combien? On parle de combien, là? Je suis toujours du côté des crédits. Mais je pense que Devladette veut viser plus grand, vous voyez. Si ça m'assure de garder mon boulot, je suis de votre côté. Oh là là, c'est quoi ce choix, what the fuck? Vous pouvez bien déformer la réalité, vous êtes une traîtresse et je soutiens Masako. Ah, le premier quoi, l'argent. L'argent. Non mais après voilà, si je dis je suis toujours du côté vous des crédits. Ta gueule. Je suis toujours du côté des crédits, puis elle me donne 5000, tu sais. Ah, super. Merci. Par contre, si tu me donnes minimum 500 000, là, je pense qu'on discute. Franchement, elle ou Masako, moi, je m'en fous. Moi, je partirais sur ça. Vous pouvez bien déformer la réalité. Vous êtes une traîtresse et je soutiens Masako, ouais. Après, Masako, je m'en fous. J'ai vu qu'une seule fois. Si vous ne voyez que pour le bien de Régine, je suis de votre côté. C'est 1 ou 4 pour moi. Même pour le 1. Eh oh. Oui, eh oh du bateau, oui, je sais. Je partirais pour le 4, mais moi aussi. Hein. Non, mais les crédits, elle va me donner genre. Allez, peut-être au maximum, genre 15 000, c'est tout. Hein. Non, non. Vous pouvez bien déformer la réalité, vous êtes une traîtresse. Et je soutiens Masako, même si je la connais pas, mais Osef. Vous me décevez beaucoup, agent. Oh. Moi qui pensais que vous aviez un don pour sentir les opportunités. Non mais les opportunités. Je vous dénonce au frère Dalton. Je devrais vous tuer sans attendre. Oh non mais là ça fout trop la merde. Moi je vous dénonce à Dalton. Vous répondrez à Masako en personne. Faites-vous plaisir. Je parie que votre preuve n'est que circonstancielle. Oh attention. J'ai fait d'Imogène le bouc émissaire parfait. Ouh là là là. Votre parole contre la mienne. Et cet élément ne jouera pas en votre faveur. Tant pire de questions, je vous laisse inventer. Non mais si je la tue, je viré. Vous êtes déjà dérapé une fois, j'obtiendrai la preuve nécessaire. Je dois bien admettre que j'ai surestimé le niveau d'Infinity LTD. Si seulement j'étais allé voir Simon en personne, nous ne serions pas en train d'avoir cette discussion. Mais j'ai appris de cette erreur. Bonne chance, vous ne trouverez rien. T'inquiète pas, on va te coincer. On va te coincer, Grognasse. C'est quoi ça? On se casse, juste ça. On se casse. T'as genre, je pouvais l'assassiner dans son bureau. Mais surtout qu'il y a un garde à l'entrée, tu sais, même si je en mode, ouais, on ferme les portes, tout ça, t'inquiète pas que, genre, un tir comme ça, là, il entend rien. Dalton, on m'a engagé de te tuer. Renversement de situation. Bon, voilà enfin. Et je ne vois aucune trace d'Imogène. Moi qui pensais que vous envoyer à sa poursuite serait une tâche facile. Oh, il s'en est passé des trucs, Dalton. Voilà, il y a eu la roue sujet avec vous, Imogène et innocente. Alors vous avez soudainement toutes les preuves. J'espère que votre explication tient la route. Je pourrais vous virer pour ce commentaire. J'espère qu'il n'y a pas de test de persuasion. Ah. Si pour l'innocence d'Imogène et la roue a tout avoué. Tenez, au moins je ne reviens pas avec les mains vides. La bonne nouvelle c'est que j'ai ça. Et c'est quoi ces conneries? C'est la même tablette tout ça, on est d'accord? J'ai du mal à croire qu'Oularu prenne le risque de s'incriminer. Mais si cette tablette révèle une preuve irréfutable corroborant votre thèse, ça me suffit. Réintégrer aussi Imogène serait un soulagement. Je dois maintenant m'atteler à la tâche laborieuse de rédiger un rapport.
En attendant, Masako a requis votre présence en R&D. Elle vous demande de la retrouver dans le bureau de Vina Kalra. Vous pouvez m'en dire plus sur Vina Kalra? Vina est à la tête de l'équipe de recherche et développement. Elle a créé le projet Domination. Ah! On la considère souvent comme la protégée de Rei Dekaris, la fondatrice de Ryujin. Carrément. Eh ben, je vous laisse vous occuper de cette histoire de taupe, hein. C'est pas que ça m'amuse. Mais je ne confierai ces rapports à personne d'autre. Moi aussi. Oh non, terminé, responsable coupable. Le level up. En parlant d'Alton, c'est... Niveau 39. Je mets le point tout de suite. Aucune discussion avec le chat. On s'est réduit que dalle en sprint, bon c'est pas grave. Au moins ça c'est fait. Bonjour. Oui Masako. Attends, peut-être je suis surchargé aussi. Ah oui, bah oui. Bah oui, espèce de con. C'était pour ça. En vrai, j'ai l'impression que ça réduit pas mal, ouais. Oh les mains, c'est un braquage! Jean? Bip 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 boop! Ah, t'es coincé là? Ah, t'es coincé là? Hein. Il est coincé là, le micro de son roue là, hein. Il est coincé, hein. Ah bah oui, on est coincé, bah David Bowie, on n'arrive pas à passer la pop-porte, hein. La pop-porte. J'ai fait bugger ou quoi? J'ai besoin de cette rotisite, si nous voulons terminer le neuroforceur. Je crois que toute la station a été détruite par... On décide, je suis retrouvé. Chose. Ne vous inquiétez pas. Ah, il a 4 roues, ce mec. Un moyen de récupérer cette cargaison. Qui s'y fait? Vous voilà, bien. Bonjour. Il est temps de mettre en place un plan pour reprendre le contrôle avec Infinity LTD. Je peux pas lui évoquer le... Et vous savez, pour où la roue, là. Il était grand temps que nous réagissons. Pour l'Empire. La taupe a la priorité. Ah. Maintenant que Dalton a tout le nécessaire, grâce à vous, nous pouvons avancer. Nous ignorons où en est actuellement Infinity dans ses plans de neuroforceur. Alors putain, notre priorité est... L'aspirateur à côté, là, il se barre, là. Laissez-moi vous présenter Vina Kalra, directrice en recherche et développement. Elle vous donnera tous les détails. Oui, les détails. Bonjour. Voyez-vous, le neuroforceur interne est constitué de deux parties. La première, celle qu'a volée Infinity, traite les effets de manipulation. La seconde est une modification protectrice, conçue pour protéger l'utilisateur contre d'autres utilisateurs de neuroforceurs. Putain, mais cette tondeuse qui se bat d'un côté, JPP. Cette tondeuse, par pitié, j'ai fait bugger le robot, merci à tous, merci DV. Hein. La tondeuse, je sais pas quoi lui dire. Infinity a loupé la pièce la plus importante. Leur mort. Non, pardon. Vous avez compris. Personne ne veut voir son plus gros atout retourner contre lui. Quand Vina aura terminé le mode de protection et le neuroforceur interne, le plan consiste à vous en équiper pour infiltrer Infinity LTD. Carrément. Nous ne risquerons pas la mission sans protéger suffisamment votre esprit. Et tant que j'essaie cette nouvelle technologie, ouais. Hors de question, j'aime mon cerveau au naturel. Vous fiez à moi avec cette technologie. Vous travaillez pour Ryujin et le travail doit être fait. Jusqu'à maintenant, nous vous avons fait confiance. Pourquoi s'arrêter là? Au secours, cette tondeuse. Il est temps que j'essaie cette nouvelle technologie. Bien, je suis ravi que vous saisissiez cette occasion. Et j'aime les sujets qui sont volontaires. Il ne reste plus qu'à trouver l'ingrédient clé. La dernière étape pour les deux produits consistait à trouver un matériau conducteur compatible que le corps ne rejetterait pas.
J'ai fini par créer l'alliage parfait. Mais celui-ci intègre un élément raffiné découvert depuis peu, appelé la roticite. C'est là que j'interviens. Nous avons un contrat confidentiel avec Consolidated Mining pour extraire, raffiner et nous envoyer directement la roticite. Leur dernière livraison est en retard. Et ni Consolidated Mining, ni nous, n'avons pu communiquer avec la station carinée. Ils se sont mis un qui ne répond pas, c'est mauvais signe. Ah, attends. Passez une bonne journée. Attendez. Excusez-moi. On disait. Vous voyez pas quoi, attends. Mais non, mais... Camden, tu disais ? Oui. C'est là que j'interviens. Excusez-moi. Nous avons un contrat confidentiel avec Consolidated Mining pour extraire, raffiner et nous envoyer directement à la roticite. Leur dernière livraison est en retard. Oui, une station minière qui ne répond pas, c'est mauvais signe, pardon. Exactement ce que je me disais. Nous devons nous y rendre, sécuriser la cargaison et la rapporter pour que Vina puisse terminer son prototype. Et je tiens à savoir ce qui s'est passé. Nous devons prendre toutes les mesures de sécurité pour nous assurer que ça ne se reproduise pas. Si quelqu'un interfère, je m'assure de lui régler sous son compte. Même si c'est une bestiole à poils rouges assez petite qui crie Laguna Laguna. Vous pensez que je vais me frotter une certaine résistance ? La lance rebelle ? Malheureusement, oui. Soyez sur vos gardes. Les rebelles ! Nous avons mené des tests poussés sur la planète. Alors les chances qu'il s'agisse d'un risque environnemental sont maigres. Et installer ce genre de station est une seconde nature pour Consolidated Mining, qui sait parfaitement gérer les problèmes mécaniques. D'accord. Si quelqu'un t'affaire, je m'assure de le régler aussi son compte. Bien. Je vous invite à détruire toute résistance. Ah, là on discute. J'aime bien le mot détruire. La station d'extraction s'appelle CM Station RC1. Elle se trouve sur la lune carinée 3A, dans le système caréné. La cargaison devrait être dans la tour de recherche et de commande, mais les portes extérieures sont verrouillées. Cette carte devrait vous permettre d'entrer dans les mines. Une mine. D'accéder à la tour depuis l'intérieur. Bonne chance. Merde. Merde, non. Non, non. Putain, j'ai vu que l'Orient avait des balles explosives. Oh. Mais ce robot, il m'a énervé, ce robot. T'inquiète pas, ma soeur Chocobo, il va revivre. Je lui donne une autre chance. Faut que je m'entape toute la discussion, c'est ça? Passez une bonne journée. Ah, voyons, bah, attends, juste avant. Tu disais. C'est là que j'interviens. Au secours! Et c'est qui? Exactement ce que je me dis. Nous devons. Et je. Malheureusement, nous avons mené et installé. Bien. La station d'extraction, la cargaison de. Ah, je me casse. Oh. Putain de tondeuse sur roue là. C'est pas possible. Non mais c'est con, hein, merde. Non, si c'était moi, j'aurais jamais rechargé quoi. C'était marrant, tu sais, de voir à la limite le cadre du robot qui serait moisi ici là pendant tout ce temps. Ouais, tu me fais passer par où là? Mais non? Mais non? Passer par là? Attends une seconde. J'ai ça, ça pue. J'ai ça. Capitaine, donnez ça. Non mais j'ai plein de conneries sur moi. Je suis chargé de ouf. On se capte autour d'un verre? J'ai ça, est-ce que tu cours vite? J'ai de la contrebande sur moi, mais bon, normalement c'est pas de l'horreur, donc on l'a déjà testé, ils sont pas casse-couilles. Ou soit j'ai guaqué l'autre fois. Oh, ils s'en foutent, ok, très bien. Bon, vas-y, on fait cette mission, puis on va s'arrêter là, hein. Malheureusement. Je vais pleurer. Je vais pouvoir lancer le live jusqu'à la fin du mois. Terrible. Vous êtes enfin en vacances de mes conneries live. Aïe 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 aïe.
Bon, on va peut-être faire un détour à Sanctuary là pour déposer la contrebande pour pas qu'il y ait de saloperie. Eh dehors. Ça faut envoyer. Là, j'ai plus d'inventaire que de The Mall. Wall Bing Bang, on verra. Ouais, ça. Nom nom nom. Non. Non. Putain merde quel con. Ah non merde oh là là. Oh, quel connard. Attends. J'ai ça. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Ah c'est mon truc de corpo, ok. Et... Voilà, c'est bon. Tac tac tac. Ça je garde. Ok. On est bon. Ah oui bah oui cette photo je l'ai prise, oui bah c'est un donjon que j'ai fait en off, oui tout à fait. Et en fait j'ai tué un pillard et il a pas bougé en fait, il est mort sur ses jambes, debout. Du coup je l'ai pris en photo comme ça voilà. Elle a vraiment pas bougé d'un pouce. Alors une balle et... Contente de vous voir. Pas moi. Oh. Oh non. Vous touchez pas ces coffres. Plus, besoin de quelque chose ? Vous touchez pas ces coffres. Interdit. Bon, j'ai rien là, on est d'accord. Eh ben on est bon. Alors il faut j'aille où du coup ? Sur Cobidule. Sur Karina, ok. Il faut qu'on aille là-dedans. La CM station RC1. Hein. Allez, des petits aliens là, what the fuck?